Le mouvement, je dois le oh, oh, it's a movie. Son boy, Yes, Massive est Spectacle, FBB pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Et là, la réalité a dépassé la fiction de très très loin. Ce lundi matin, je tourne cette vidéo à chaud parce que je pense que c'est l'une des stories euh, cinématographiques en plus entre en acteurs noirs qui va le plus faire parler de l'année, peut-être des années récentes. Will Smith qui gifle. Chris Rock aux Oscars. Donc on va un petit peu recontextualiser déjà. Will Smith, vous savez qui c'est C'est l'un des plus grands acteurs noirs. Peut-être pas forcément par le talent, parce qu'il y a quand même des Denzel, il y a quand même des Jimmy Fox, il y a quand même il y a beaucoup d'acteurs qui ont vraiment euh, des, des, un plus gros talent dramatique, entre guillemets, que Will Smith. Mais niveau box-office... Je crois que Will Smith les tape tous, tu vois, c'est Will Smith, c'est Men in Black, Will, Smith, bon, bon, je vais refaire la liste des films de Will Smith, mais il a quand même au, aussi énormément de, de bons films niveau, euh, niveau performance, comme euh, Cette Vie, comme À la recherche du bonheur, c'est À la recherche du bonheur, The Pursuit of Happiness, je crois que c'est celui-là, où il joue avec son fils d'ailleurs, qui est extrêmement bien à la fin, moi je pleure pas devant les films, mais là, il ai s'est vraiment ému à la fin, donc voilà, Will Smith, c'est quand même Will Smith, tu vois. Mais, pour recont recontextualiser aussi, Chris Rock, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui voient... Enfin, j'ai vu euh, euh, Will Smith gifler l'animateur des Oscars et puis il cite même pas le nom. T'as l'impression que les gens ne voient... C'est bien qu'en euh, 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 France, on sait pas vraiment... Qui, on sait qui est Chris Rock, je vais pas abuser. Mais Chris Rock, c'est une légende du stand-up. Tu vois, Chris Rock, c'est l'un des plus gros humos. l'un. quand je dis l'un des plus gros, c'est-à-dire vraiment top 3, quoi. C'est-à-dire que t'as Dave Chappelle... Chris Rock de notre génération. Avant, t'avais des gars comme Richard Prior, tout ça, etc. Là, maintenant, t'as des Kevin Hart, machin. Mais Chris Rock, c'est le des dondada de, euh, des humoristes euh, afro-américains et des humoristes tout court. Parce qu'il faut pas. Euh, comme on connaît, toi, euh, on comprend pas les blagues de Chris Rock. Donc, la traduction, le stand-up, avec la traduction qui se perd, hein. on a tendance à mal voir qui est-ce qui est plus fort, machin, etc. Mais Chris Rock, c'est vraiment. Déjà, il ne serait pas arrivé aux Oscars par. hasard, donc voilà. Déjà, faut bien resituer qui est Chris Rock. Donc Will Smith est là, euh, comme je suppose qu'il est là chaque année de toute façon. Mais cette année, il est là parce que euh, il vient de sortir le, le, le film King Richard, que j'ai en plus, j'ai regardé il y a peut-être euh, deux-trois semaines, euh, où une fois depuis très longtemps parce que Will Smith faut pas oublier qu'il sort de beaucoup d'années où il a sorti des films vraiment très 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 moyens il est loin on est loin de à la recherche du bonheur on est loin de cette vie on est loin de tu vois même même des classiques comme itch qui sont un petit, un petit peu plus comédie romantique machin euh, même je suis une légende, tout ça, ça commence à être loin. C'était avant 2010, tout ça, il me semble. Donc, dans les années 2010, il n'a pas forcément fait, euh, à mon sens, en tout cas, et au sens critique, même en général, de grands, grands films. Et là, avec euh, King Richard, c'est le moment un petit peu où, voilà, il va gagner son Oscar euh, de meilleur acteur, je crois. C'est l'Oscar qu'il a gagné. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs qui l'ont, je crois. Il y a Denzel, Sidney Poitier, je sais plus. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs qui ont qui ont cet Oscar là. Et c'est ce qui manquait un petit peu à Will Smith pour entre guillemets couronner sa carrière qui, niveau commercial, est déjà. Voilà, c'est le Presse de Bel Air. Ils viennent de faire un, un, un remake du Presse de Bel Air là, en plus. Donc, voilà, Will Smith il est cimenté, mais il lui manquait cet Oscar là. Donc, qu'est-ce qui se passe Chris Rock, comme je vous disais, c'est un humoriste. Euh c'est l'un des plus forts et c'est, tu il sais, y, y a des types d'humoristes, il y a des humoristes un petit peu plus commerciaux, plus machin, mais Dave Chappelle et Chris Rock, c'est les humoristes qui vont piquer, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller loin dans le truc, euh, qui vont faire les blagues que peut-être d'autres n'oseront pas faire, c'est pour ça que Kevin Hart est très accepté, parce que Kevin Hart, il est safe, il va pas faire certaines blagues, machin, etc., mais Chris Rock, il y a des Harry Cross qui s'est fâché euh, contre Chris Rock, euh, y a en général, Chris Rock, il y a même euh, Défun Kobe qui, à un moment, il n'était pas trop, trop euh, fan de, de Chris Rock non plus. Voilà, Chris Rock, c'est un gars qui, va, qui a fait beaucoup de blagues sur Michael Jackson. Je crois que c'est l'un des premiers qui faisait des blagues sur Earl Kelly il y a 15 ans de ça. Il n'a pas attendu le procès et tout. Donc voilà, Chris Rock, c'est un gars, le sujet piquant, là où les gens vont soit l'esquiver, soit tato Il va marcher, il va mettre les pieds dans le plat directement. Donc il faut savoir que c'est ça le style de Chris Rock. Will Smith, c'est ça, il le sait, bon bref, euh, ils sont dans le game depuis à peu près la même période, ils se connaissent, bon, voilà. Donc Chris Rock scène, il, il présente les Oscars, encore une fois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc, euh, c'est pas les BET Awards, c'est pas MTV, c'est les Oscars, tu vois, c'est pas un truc sectaire, entre guillemets, afro-américain ou latino, ou la... c'est vraiment un truc mainstream, tout le monde regarde ça et il fait une blague sur, du coup, la, la, la calvitie, l'apoplexie, la je ne me trompe pas, de euh, Jada Pinkett Smith. C'est intéressant parce qu'au début, si vous regardez bien la vidéo, au début, Will Smith, il gonnerie, tu vois. Il regarde la vidéo, euh, il, il, tu vois, c'est dans son dehors. Mais Will Smith, il a souvent dit qu'il a dû euh, euh, cacher son c'est un gars de Philadelphie Philadelphie c'est un, une ville assez chaude des, Am des en Amérique côté afro-américain tout ça c'est de là que Mill vient c'est de là que Benny Siegel vient voilà c'est un côté assez chaud euh, et surtout à, à l'époque de Will Smith je suppose donc il dit souvent qu'il cache cette côté de cette côté ce côté de sa personnalité il injure pas il ne se fâche pas, c'est le gars qui est tout le temps en train de faire des blagues, etc. etc. Mais c'est une sorte de façade qu'il a gardé tellement longtemps que c'est devenu lui, entre guillemets. Et, mais des fois, je, je, je suppose que ça. Voilà, ça, 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 cette façade se, se brise. Il avait déjà giflé un journaliste qui avait essayé de l'embrasser sur la bouche il y a peut-être 10 ans de ça. Euh, et là, donc, Chris Rock fait la blague, Will Smith rigole, et ensuite, tu vois, on, on, la caméra coupe vers Chris Rock. Et on ne voit pas Will Smith se lever, on ne voit pas ce qui le déclenche. Est-ce qu'il regarde Jada -ce que... On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il se lève et il gifle Chris Rock. Et bon, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est fake. J'ai vu pas mal de commentaires. Euh, c'est vrai que maintenant, on est dans une époque quand un gros truc va se passer. On va se dire que okay, c'est du fake tout de suite. Ouais, ils font ça pour le buzz, ils font ça pour drainer, des clics sur leur nom pour ensuite vendre, puisque je crois que Will Smith vient de faire un livre, etc. etc. Tu vois, on ne pourra jamais prouver, tu vois, Will Smith, il ne va jamais nous avouer, Chris Rock, il ne va jamais nous avouer. Moi, je, je trouve que ça n'a pas de sens parce que c'est quand même, c'est historique. Parce que, alors, il finit par gagner cet Oscar au solo euh, pour King Richard, c'est un très bon film d'ailleurs. Euh, ça entache un peu sa victoire. Je ne pense pas qu'il aurait, euh, aurait fait ça, quoi il se serait dit, alors pour le buzz... Chris Rock fait une blague sur ma femme, je vais venir, je vais te gifler. Les Oscars eux-mêmes n'auraient pas accepté ça. Ou peut-être est-ce qu'il a fait ça Il aurait arrangé ça avec Chris Rock en apparenté. C'est un peu gros, mais je comprends qu'on vit dans une génération où, enfin, fait, dans une époque, où on veut rien croire. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement vu de faux buzz, de fake trucs que dès qu'un truc gros arrive, on se dit hé, hey, c'est fake, vas-y." Mais Will Smith n'a pas besoin de ça, tu vois. À l'heure actuellement, bon, après. Tous les bordels qu'il a avec sa femme, là, Entanglement, Auguste Alcina, machin. Et le, oui, ma femme est infidèle. Oui, euh, mon mari n'est pas performant au, au lit, machin. Tous ces trucs-là, il n'en a pas besoin non plus. Et ils le font quand même. Donc, tu vois, je peux pas en vouloir aux gens qui pensent que c'est fake. Mais moi, j'ai très, très, très peu de conviction en le fait que ce soit fake, quoi. Donc, est-ce que Will Smith a exagéré, selon moi Alors, je comprends les gens qui disent que, voilà, c'est la maladie de sa femme. Euh, voilà, dès qu'on touche aux maladies, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais il faut... Tu vois, c'est de l'humour, quoi. Et c'est vraiment une grosse... Euh, c'est un gros sujet, d'ailleurs, de ces dernières années. Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'on peut parler de... de voilà, l'homosexualité, la race, la misogynie euh, euh, Plein de trucs. C'est-à-dire, il y a, y a tellement de sujets qui étaient free, legalized, euh, dans les années 90-2000, que maintenant... Tu te dis Ah on peut plus rien dire, tu as des, des humoristes euh, qui, qui allaient vraiment très très loin et de plus en plus tu vois avec le la cancel culture, avec euh, les bad buzz, les sauces, comme on dit, de plus en plus on n'a plus envie de le faire, on joue un humour un peu safe, mais tu as des artistes comme Dave Chappelle et Chris Rock qui disent je m'en fous, je, je suis une légende comme ça, c'est ça mon style d'humour, et ben c'est ça que je fais et euh, du coup ça donne un petit peu des scènes comme ça et Franchement, moi, j'aime beaucoup l'humour, c'est-à-dire que j'en parle assez peu, puisque c'est mon domaine, c'est plus la musique, mais les stand-up, euh, tout ce qui est stand-up, comédie, etc., euh, quand j'ai eu la vingtaine ans environ, je regardais vraiment énormément de stand-up. Je connais les stand-up de Chris Rock Parker, Dave Chappelle, même les Français, euh, à un moment, je regardais beaucoup Gad Elmaleh avant de savoir qui copiait les, les humoristes américains, Jamel, Farid... Ouais, voilà, j'aime beaucoup ça, et je me dis... Les, les trucs comme ça, ou les trucs comme ceux qui arrivent à Dave Chappelle avec les, 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 la communauté LGBT, ça met une sorte de muselière en fait sur les, sur les humoristes. Et tu te dis, à un certain moment, ben, ils n'auront plus de sujets. Ils n'auront plus. Qu'est-ce qu'ils pourront dire en fait C'est-à-dire qu'on leur a déjà enlevé beaucoup de trucs sur les femmes, beaucoup de trucs sur les races. Là, tu ne peux plus faire de trucs sur les. Ok, c'est une maladie. Donc bon, mais je comprends les deux, les deux, les deux, les deux parties, mais je me dis. Frère, euh, Will Smith, quand ta femme, il y a eu les trucs d'infidélité, on a dit des trucs pires. Donc, c'est peut-être le côté live qui l'a dérangé. Mais c'est vraiment, vraiment irréel. Je ne sais pas s'il si a exagéré. Je peux comprendre. Après, je me dis, le faire là, c'est dommage. Ça entache ta, ta, ton héritage le, le jour où tu as eu ton Oscar. Ça, la blague est déjà faite. Tu aurais peut-être pu faire ça après ou prendre Chris Rock en appart. Je sais pas. Je ne sais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il exagère un peu. Parce que, il l'a dit dans son discours, après, quand tu es une célébrisée, il faut savoir malheureusement accepter ce genre de choses-là. Euh, tu vois, moi, je suis un gars, je fais tout le temps des... Pas du tout à la même échelle, mais il y a beaucoup de gens qui me critiquent, des artistes qui me disent, etc. Il faut savoir prendre sur soi. Mais après, c'est vrai que par contre, quand ça touche quelqu'un d'autre qui est proche de toi, là, c'est totalement autre chose. Donc, je peux comprendre que... Ok, tu peux faire toutes les blagues que tu veux sur moi, mais par contre ne parle pas de Jada. Ça, pff, le problème c'est que Jada aussi est connue, elle fait ses trucs publiquement. C'est c'est vraiment vraiment compliqué. Une autre question que je me suis posée à chaud là ce matin, c'est voilà, là on est dans un truc euh, voilà, on est dans un cadre mainstream donc blanc, noir, latino machin, mais c'est un truc entre noir. Et moi la question que je me pose c'est si Seinfeld, Seinfeld c'est un humoriste blanc qui en plus est juif. Euh, donc, tu vois, c'est une communauté qui est très forte au, partout dans le monde en vrai. Euh, Est-ce que Will Smith aurait réagi comme ça si c'était Seinfeld Est-ce qu'il serait monté sur la scène et aurait giflé Seinfeld Ou bien parce que, tu vois, c'est un gars, c'est un noir comme toi, tu es plus big que lui. Enfin, ouais, es, Chris Rock est très big, mais Will Smith est plus big. Est-ce qu'il aurait fait ça si c'était Seinfeld Je ne sais pas. C'est les répercussions. Là, par exemple, il n'y aura aucune répercussion en vrai. Will Smith a giflé Chris Rock, bon ok, qu'est-ce qu'on va pas, pareil qu'on va, on peut lui enlever son Oscar, je pense pas qu'on va lui enlever, on verra dans la journée là ou dans les semaines à venir, je sais pas. Mais je me pose la question est-ce qu'il aurait fait ça, c'est un humoriste blanc parce que là, bon, je veux pas dire fin de carrière puisque la carrière de Will Smith c'est à cimentée, il s'en fout, mais euh, je me dis, je sais pas s'il aurait fait pareil en fait. D'ailleurs Will Smith il a déjà giflé un, un journaliste, comme je crois que je l'ai dit à l'instant, et, et il y avait pas eu de, de répercussion non plus. Donc, Will Smith, je pense aussi qu'il, tu vois, même s'il a réagi à chaud, tu sais très bien ce que tu peux faire et que tu ne peux pas faire même en tant que Will Smith. Tu vois, il ne serait pas monté, giflé, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup du Maurice Blanc, euh, mais je ne sais pas s'il serait monté, il aurait giflé euh, n'importe qui. Voilà, c'est un petit peu ma réaction à chaud sur le sujet. J'ai tenu à en parler parce que vraiment, je me suis réveillé, j'ai été dormir à 23h, entre 22h, je ne sais pas, 23h, je ne sais pas. Et genre, ça s'est passé littéralement 10 minutes après que je sois allé dormir. Et je me dis, putain, tu aurais pu attendre que je sois réveillé pour que je puisse voir. En même temps, les blagues sont incroyables. Il y a un gars qui a dit, ouais, non, vu sa réaction, là, c'est vraiment lui capturer Tupac. Puisque sa femme était très proche de Tupac. Elle fait que, sous ses Tupac, euh, depuis 20 ans, là, c'est incroyable. Euh, tu vois, j'ai vu plein de blagues. J'ai vu que, ouais, Chris Rock, Chris Rock, il a à peine bougé. J'ai vu, ouais, Chris Rock, il est très professionnel. Parce que, voilà, la réaction de Chris Rock, c'est très professionnel. Tu vois, on te gifle. T'as même pas la, la. Tu sais même pas de rendre. Tu vois, c'est vraiment très très compliqué à gérer. En tout cas, c'est vraiment un moment dont on va vraiment parler pendant encore très très longtemps. Je pense qu'il y aura des lyrics de rap dessus. Chris Rock, il va en parler dans ses stand-up. Dans l'absolu, il n'y aura pas de répercussions, mais ça va ouvrir un débat. Ça va ouvrir le débat de. Allez, les humoristes là, est-ce qu'on peut vraiment parler de tout Qu'est-ce qu'on fait Comment on gère euh, En tout cas, gros gros moment. Gros big up à Will Smith et à Chris Rock qui sont. Ben, parmi mes préférés dans, dans leur domaine euh, respectif, qui se connaissent depuis super longtemps, Jada. C'est bizarre de voir que Will Smith, tous ses problèmes viennent de Jada. Tu vois, c'est choisissez. Après, il l'aime et tout, donc c'est pas sa faute, mais choisissez vos conjoints parce que j'ai l'impression que tous les problèmes de Will Smith dans la vie viennent de Jada Pinkett. C'est un. Délire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé euh, de la vidéo et de de, de de ce fait, de ce de ce buzz. De en gros lundi matin, tu là, tu te réveilles, tu t'apprêtes à aller au travail, tu te dis, eh hey, t'as vu, Will Smith il a gifle Chris Rock. Je dis comment ça, Will Smith? Littéralement, je pensais que c'était une blague que j'avais mal lue. C'est vraiment un délire. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des répercussions Est-ce que Will Smith a exagéré Ou est-ce que c'est Chris Rock qui a exagéré Est-ce qu'on peut y aller de tout et À partir du moment où c'est maladie, c'est niet. Chris Rock, il a vraiment déjà dit des trucs chauds. Hein. Là, tout de suite, je ne vais pas me rappeler. Mais Chris Rock, il a déjà dit des trucs chauds. Bon, bref, je crois qu'il faisait des blagues sur le sida à l'époque. Enfin, bon, je ne je, me souviens pas exager, exactement. Il faudrait que je fasse des recherches et tout. Mais. Je suis assez sûr que Chris Rock a déjà dit pire, même en live à des gens. Et que, bon, je me souviens, Chris Rock, il avait fait une blague sur Rick Ross, gros, la grosseur de Rick Ross. Rick Ross n'avait pas kiffé du tout. Mais Will Smith, je suis quand même assez surpris, lui qui est très professionnel. Mais bon, c'est dur de rester phlegmatique tout le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, à me dire tout ça, à me suivre sur Instagram, etc. C'est etc. un spectacle pour arrêter ton film quand la réalité dépasse, la fiction gagne.